Qu'est-ce qu'une étude de solvabilité ? La solvabilité d'une entreprise correspond à sa capacité à honorer ses remboursements et à assumer ses dettes. Une entreprise est dite solvable lorsqu'elle a suffisamment d'actifs pour couvrir son passif. Si ce n'est pas le cas, on dit qu'elle est insolvable. Cela signifie qu'elle se dirige vers la cessation de paiement et donc la faillite. Que trouve-t-on dans un rapport de solvabilité ? Le rapport de solvabilité est le document qui concentre l'information pertinente pour juger de la solvabilité d'une entreprise. En règle générale, on trouve dans un rapport de solvabilité le score et les limites imposées à l'entreprise, ses bilans financiers, ses capitaux propres ainsi que les provisions, les informations sur les dirigeants, les administrateurs, les actionnaires et les gérants, les informations relatives aux factures, impayés, retards, etc., et les habitudes de paiement en général. Pourquoi faire une étude de solvabilité ? Étudier la solvabilité d'une entreprise permet d'en vérifier la crédibilité. Dans le cadre d'une relation de partenariat, de clientèle ou de fournisseur à contractant, l'étude de solvabilité permet de mesurer le risque. Pour une entreprise, prendre connaissance de la solvabilité d'une société est judicieux pour s'octroyer toutes les garanties avant de faire affaire avec elle. Quand mener une étude de solvabilité ? Il est conseillé d'effectuer une étude de solvabilité de façon régulière. En effet, il n'est pas exclu qu'une entreprise qui était solvable lors de la plus récente étude menée soit tout à coup insolvable suite à une période difficile.